Ici, à Marseille, en France, des personnes présentant des symptômes semblables à ceux du Covid-19 font la queue devant ce centre hospitalier dans l'espoir d'être testées et d'obtenir un traitement. J'y crois davantage que de rester chez moi sur mon canapé à attendre que les symptômes passent. À Marseille, un homme suscite l'attention médiatique. Le chef du département des maladies infectieuses de cet hôpital, Didier Raoult. Il dit avoir trouvé la solution avec un médicament antipaludéen bon marché et facile à produire. Son nom, la chloroquine. Fin février, Didier Raoult annonce des résultats prometteurs sur un petit échantillon de patients. Mais cette piste suscite aussi des critiques au sein de la communauté scientifique. Je sais bien qu'il y a beaucoup de buzz en France et ailleurs sur certaines affirmations de certains chercheurs disant que ce médicament marche, ce médicament sauve le monde. Mais malheureusement, pour le moment, les preuves en fait, de l'efficacité de ce médicament, de l'hydroxychloroquine, puisque je parle de ça, sont extrêmement faibles ou même inexistantes. C'est l'une de ses marques de fabrique, son franc-parler. Alors dans sa nouvelle vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Didier Raoult ne déroge pas à la règle. Je ne sais pas si ailleurs l'hydroxychloroquine tue, mais ici, elle sauve beaucoup de gens. Quoi. Malgré les critiques et les doutes qui planent autour de l'hydroxychloroquine pour soigner les patients atteints du Covid-19, le professeur marseillais ne change pas d'attitude. Au contraire, il se félicite même des résultats qu'il a obtenus. Parmi les gens qui ont été traités, la plupart des gens ont été traités par l'association hydroxychloroquine et azithromycine. Et dans ce groupe, la mortalité est de 0,5%, c'est-à-dire la plus basse au monde. Des effets prouvés, selon lui, sur les 3600 patients qu'il a eu à gérer. Et peu importe ce qu'en disent ses détracteurs, même les conclusions de l'étude américaine présentée dans la très sérieuse revue scientifique britannique The Lancet ne l'incitent pas à douter. Comment voulez-vous qu'une étude foireuse faite avec les big data change ce que nous avons vu? Vous savez, des électrocardiogrammes, ici on a fait 10 000 chez les malades qui ont eu cette maladie, 10 000 électrocardiogrammes qui ont tous été vus par l'équipe d'un professeur de rythmologie, c'est-à-dire de cardiologue, qui est spécialisé dans l'analyse électrique du cœur. Alors, moi, je ne vais pas changer d'avis parce qu'il y a une publication qui raconte, quel que soit le journal dans lequel il passe. Pourtant, les données de l'essai qui a été mené semblent faire autorité. D'abord parce que pour la première fois, une expérimentation à grande échelle a été réalisée sur 96 000 patients, dont 15 000 se sont vus administrer de l'hydroxychloroquine ou de la chloroquine. Ensuite, parce que les enseignements apportés sont alarmants. Les chercheurs estiment qu'avec ce type de médicament, le risque d'arythmie cardiaque et de mortalité augmente, entre 34 et 45%. Ces études viennent corroborer des études antérieures, et donc il y a un faisceau d'arguments important pour dire que l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine n'est pas efficace dans le coronavirus et serait peut-être même délétère avec des effets secondaires. Donc il y a vraiment une analyse bénéfice-risque pour les prescripteurs à l'échelon individuel à bien prendre en compte. Un risque instrumentalisé et des données biaisées selon les proches du professeur Raoult. Cette étude, moi je la remets en cause totalement pour une seule raison. 20% des gens sous hydroxychloroquine ont besoin d'oxygène et dans le groupe contrôle c'est uniquement 7%. Ah ! Donc c'est totalement biaisé. Donc si vous donnez de l'hydroxychloroquine à des gens qui vont mourir, c'est sûr qu'ils vont mourir. Un moyen d'insister sur ce qu'a toujours dit le virologue phocéen. Cette molécule doit être prescrite en tout début de traitement, avant l'insuffisance respiratoire et la phase grave du coronavirus. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait dans son institut. Ah, il a un taux de mortalité plus faible que les autres parce qu'il a traité des malades qui n'étaient pas malades. Dans la série du Lancet, dans la série américaine, c'est des malades essentiellement hospitalisés, donc ils sont sévères, c'est normal qu'il y ait plus de morts, mais ce qu'on voit bien, c'est que d'avoir ou de ne pas avoir de chloroquine ne change rien au pronostic. On a regardé chloroquine seule, hydroxychloroquine seule, chloroquine plus azithromycine, enfin un macrolide, hydroxychloroquine pour macrolide, ça marche pas. La chloroquine ne serait donc pas le médicament miracle de cette crise sanitaire. L'Organisation mondiale de la santé a même décidé par mesure de sécurité de suspendre temporairement les essais cliniques avec cette molécule. La France, elle, a déjà restreint son usage, limité à l'hôpital uniquement. Et seulement pour les cas graves, après décision collégiale des médecins. Depuis la publication de l'étude du Lancet, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a demandé la révision des consignes de prescription. Le Haut Conseil de la Santé publique doit se prononcer dans les prochains. Oui, les Français ont été héroïques de rester quasiment 2 mois confinés chez eux. Il faut leur tirer un chapeau ad vitam aeternam. Deux, c'est vrai que les médias et le discours ambiant sont plutôt anxiogènes. C'est vrai que les médias
et le discours ambiant sont plutôt anxiogènes. 3, et là où je ne suis pas du tout d'accord avec vous, c'est pas tout ou rien, c'est pas on confine ou on rouvre tout. Il y a différentes étapes qu'il faut faire entre-temps. C'est quoi ? Pourquoi vous ne rouvrez pas tout aujourd'hui ? Mais parce qu'on peut rouvrir avec un siège sur deux, un siège sur trois, par exemple, au Puy du Fou, ou dans n'importe quel parc. Mais on rouvre tout quand même. On n'est pas obligé d'être collé. Eh ben on rouvre tout. Mais on rouvre, mais on rouvre tout. Mais c'est pas... Vous dites rouvrir comme c'était... Oui. Comme d'habitude. Oui, avec on rouvre tout. Un ticket sur deux ou un ticket sur trois. Arrêtons d'être anxiogènes. Arrêtons d'être anxiogènes. Je voudrais vous entendre parler des contraintes et des conditions pour lesquelles on va rouvrir. On peut rouvrir, mais en disant voilà, dans tel amphithéâtre où on mettait 5000 personnes, on mettra désormais 2000. Les lieux clos, c'est autre chose. Julien va nous le dire dans un instant. Bon, moi, j'étais au Puy du Fou l'année dernière. On peut organiser le flux des visiteurs. On peut espacer. Bien sûr. Mais non, mais ça, Pascal, vous dites on rouvre comme si on rouvrait comme il y a 3 ou 4 mois. Avec des contraintes. C'est ça le plus important. N'oubliez pas de dire dans votre raisonnement, on a l'impression que bah voilà, c'est fini, donc on va reprendre la vie d'avant. Qu'est-ce que j'ai fait avant cette émission avec vous comme témoin? Oui, mais attendez. Qui j'ai appelé? Un médecin. Depuis un quart d'heure, vous dites on rouvre comme si c'était le... J'ai appelé, je le dis, médecin de ville, grand médecin, je l'ai appelé. Depuis quand n'avez-vous pas vu un cas de Covid-19? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il n'y en a plus. Mais je veux dire, faut dire les choses. Il n'y en a plus. Parce qu'il y aura des clusters. C'est, vrai, c'est exactement ce qu'avait dit Raoult. C'est ce qu'avait dit Raoult. La courbe en cloche. Ah, donc disons-le. Pascal, disons-le. Il y a 250 hospitalisations dans toute la France hier. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais il y en a moins. Mais le circuit de vie. Les 10 ans. Arrêtons. C'est vrai. Arrêtons simplement d'être anxiogènes. On nous reproche parfois, à juste titre, les chaînes info, les médias d'être anxiogènes. Disons les choses. Mais parce que on n'est plus le 15 mars. Un autre invité ce matin, le docteur Violaine Guérin. Bonjour, vous êtes endocrinologue, immunologiste. Vous avez fondé aussi le collectif Covid-19. Laissons les médecins prescrire. Cette étude, selon vous, ça change un petit peu la donne? Alors, merci de votre invitation à commenter cette publication. Je précise que je n'ai aucun lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique et je vous invite à faire la même chose, décliner les liens d'intérêt à toute personne qui commente ces études. Je n'y vois pas un remède miracle, mais je parle d'expérience clinique quand je parle du sujet. Alors cette publication, comme votre collaboratrice l'a dit, elle a été réalisée chez 96 032 patients pour être précis, dans 671 hôpitaux tout continent, entre le 20 décembre et le 14 avril 2020. C'est une publication le 21 mai, donc c'est extrêmement étonnant qu'une aussi grosse masse de données puisse être analysée aussi rapidement. Comment voulez-vous qu'une étude foireuse faite avec les big data change ce que nous avons vu? Vous savez, des électrocardiogrammes, ici on a fait 10 000 chez les malades qui ont eu cette maladie. 10 000 électrocardiogrammes qui ont tous été vus par l'équipe d'un professeur de rythmologie, c'est-à-dire de cardiologue qui est spécialisé dans l'analyse électrique du cœur. Alors, moi, je ne vais pas changer d'avis parce qu'il y a une publication qui raconte quel que soit le journal dans lequel il passe. Et je précise que le premier auteur, M. Mera, le 1er mai, avait fait une publication dans le New England Journal sur 8910 patients inclus entre le 20 décembre et le 15 mars. Donc on s'étonne un petit peu déjà qu'entre le 15 mars et le 15 avril, il ait pu inclure près de 90 000 patients supplémentaires. Au bas mot, c'est une étude à 50 millions d'euros, hein, si on pense qu'elle a été faite sérieusement. Donc on va se demander déjà aussi qui l'a financée. Et puis, on a 4 auteurs signataires pour une logistique multilingue, hein, parce que quand vous incluez des dossiers de patients dans un très grand nombre de pays, vous imaginez bien que c'est un petit peu surprenant déjà ce qui se passe. Et puis, quand on regarde les liens d'intérêt avec l'industrie qui sont déclarés par les auteurs, on voit que tout ceci n'est pas anodin. Ah. Alors, on va quand même commenter cette étude. Les patients... Vous pensez que les chiffres sont peu crédibles, c'est ça? Vu que vous avez expliqué un petit peu la méthodologie, oui. Quel crédit vous portez à l'étude sur le fond? Il y a deux choses, en fait. Premièrement, si on veut faire des études de qualité, il faut regarder chaque observation, analyser ses résultats.
Et je doute que les 96 032 dossiers aient été analysés correctement. Malheureusement, c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment en matière de recherche clinique. On rentre des données en informatique, il n'y a plus un seul médecin qui regarde les dossiers. Ah. Donc la méthodologie me paraît un peu surprenante avec quatre auteurs qui portent le papier. Et donc on imagine que ces quatre auteurs auraient analysé les 96 032 patients. Le deuxième point, quand on regarde ce qui est publié, on a des patients hospitalisés. Alors, votre collaboratrice a souligné qu'ils avaient été traités dans les 48 heures, mais pas dans les 48 heures des premiers symptômes, dans les 48 heures probablement de l'hospitalisation, ce qui est très différent. Dans les 48 heures du diagnostic, après le, donc dans les 48 heures après le diagnostic. Du diagnostic lors de l'hospitalisation. On sait très bien, nous, que quand on interroge les patients sur les premiers symptômes, souvent, même parfois, les premiers symptômes sont passés inaperçus. Il faut vraiment faire un interrogatoire clinique, comme on sait le faire en France quand on fait de la médecine. Donc, ce qui est très important, c'est de réaliser que cette étude, premièrement, n'entre pas dans le cadre de ce qui a été préconisé par l'IHU et dans le cadre de mon expérience clinique qui suis un médecin de terrain, c'est-à-dire que nous voyons les patients à un stade précoce quand ils ont un Covid et donc dans un stade de la maladie qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a en hospitalisation. Néanmoins, on peut commenter cette étude. Les groupes ne sont pas comparables. Déjà, premier point. Ah. Quand vous voyez que les patients qui ont été traités dans le groupe hydroxychloroquine, il y en a 6221, ils ont un état beaucoup plus grave, puisque par exemple, si on prend un seul critère qui est la ventilation mécanique, vous notez dans l'étude que ces patients, il y avait 20% de patients ventilés dans le groupe hydroxychloroquine contre 7,7% dans le groupe qui est un groupe dit témoin et on n'a pas tous les détails non plus sur les prises en charge de ce groupe. Docteur Guérin, effectivement, il y a des problèmes pour comparer certains chiffres. On reviendra vers vous un peu plus tard. Merci beaucoup. Vous êtes endocrinologue, immunologiste. Vous avez fondé le collectif Covid-19. Laissons les médecins prescrire de l'hydroxychloroquine. Alors, on a ces deux études qui assurent que l'hydroxychloroquine n'est pas efficace contre le Covid-19, que ce soit chez des patients gravement ou plus légèrement atteints. Quelle est votre réaction? Vous balayez d'un revers de main ces études-là? On ne balaye jamais d'un revers de main une étude. Il est important d'étudier et de regarder le cadre dans lequel elles ont été faites. L'étude française dont vous parlez concerne des patients qui étaient hospitalisés, transférés en soins intensifs. Donc de nouveau, on n'est déjà pas dans le cadre préconisé par M. Raoult, qui est le cadre de la prescription précoce non seulement de l'hydroxychloroquine, mais aussi de l'azithromycine, parce qu'en fait, ces deux molécules agissent en synergie de par leur action antivirale, mais également l'hydroxychloroquine est intéressante parce qu'elle a une action immunomodulatrice. La seconde étude a été menée par une équipe chinoise sur des patients hospitalisés avec une forme légère ou modérée du Covid-19. Là également, il y a dans le cadre des éléments qui ne respectent pas de nouveau les préconisations. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'à chaque fois, on parle justement de ces études qui ne sont pas dans le cadre et que personne ne parle, ni même vous, des études qui aujourd'hui sont de plus en plus nombreuses à être publiées mondial. On est équilibré et on parle régulièrement de toutes les études qui concernent l'hydroxychloroquine. Tous les téléspectateurs en sont témoins. Mais justement, François Pitret, j'ai pas beaucoup entendu parler sur la télévision. On vous invite, vous, régulièrement. C'est bien la preuve qu'on donne la parole à tout le monde, docteur. Et justement, François Pitret, c'est intéressant quand même. Est-ce qu'il y a ailleurs en France des tests sur le même principe, entre guillemets, que les études menées par le professeur Raoult, à savoir une association hydroxychloroquine-azithromycine? Alors, il y a une étude qui est menée par le CHU d'Angers qui s'appelle iCovid. D'accord. Cette étude, elle devrait publier des résultats dans les jours qui viennent, et elle a essayé de mener
tous les protocoles possibles et imaginables pour essayer de clore le débat sur l'hydroxychloroquine. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de résultats précis sur cette étude. Docteur Guérin, je vois que vous souhaitez réagir. Justement, n'est pas dans le cadre défini par monsieur le professeur Raoult, puisque elle concerne des personnes au-delà de 70 ans, elle concerne des personnes qui ont des atteintes pulmonaires. Et justement, l'objectif d'un traitement précoce, c'est précisément d'éviter ces complications pulmonaires, d'éviter les complications liées aux vascularites qui se développent, etc. Donc là, je suis étonnée qu'on ne parle pas, par exemple en France, d'une grande étude brésilienne qui a fait que le gouvernement même brésilien a complètement changé les préconisations thérapeutiques. C'est une étude qui a été faite justement par les médecins de première ligne, parce que c'est ça qui est important. On a beaucoup parlé des patients hospitalisés, mais ce qui est le plus important, c'est que les patients ne soient pas hospitalisés. Donc qu'on s'attaque très tôt à la maladie pour qu'on n'ait pas ces développements de complications qui sont après beaucoup plus complexes à traiter. Donc vous avez des études chinoises qui confirment l'intérêt de l'association, vous avez une très grosse étude brésilienne, vous avez des études même au Sénégal, vous avez des études au Liban, vous avez des études dans d'autres pays, y compris aux États-Unis, hein, puisque c'est un peu les mêmes... aux États-Unis, on a un peu le même débat entre ce qui est fait en ville et ce qui est fait à l'hôpital. Alors... il faut en parler. Et puis quand même, rappelons quand même l'énorme étude publiée par l'équipe de M. Raoult. Justement. Notamment au premier auteur, M. Million. Justement, François Pitrel, est-ce que cette énorme étude, comme dit le docteur Guérin, portant notamment sur l'association hydroxychloroquine-azithromycine, a vraiment fait ses preuves? Alors en tout cas, pour l'instant, le problème, c'est que cette énorme étude, elle n'a été publiée que par extrait et nous n'avons pas, en tout cas, eu accès. La plupart des gens qui, vous comme vous et moi, vont regarder les études sur les sites spécialisés, n'ont pas eu l'entièreté de cette étude disponible. Et certaines personnes qui sont venues sur ces plateaux nous disent avoir vu l'entièreté de l'étude pour et donc en tirer des conséquences et des conclusions. Mais pour l'instant, malheureusement, cette étude très grande, nous l'attendons toujours. Docteur Guérin, vous souhaitez réagir à ce que vient de dire votre confrère. Oui, merci de me redonner la parole parce que cette étude a été publiée le 5 mai dans un journal international, PubMed Infectious Disease. Donc j'aimerais bien que les gens qui communiquent sur votre plateau prennent connaissance de cette publication. Et d'autre part, cette étude est tout venant, et c'est exactement la situation qu'on a en ville, en médecine de ville. Et si on réintègre en fait les statistiques de mortalité qu'il y a sur la France par rapport à la tranche d'âge des personnes âgées dans cette étude, on s'aperçoit qu'il y aurait dû avoir à peu près 20 morts dans cette étude, alors qu'il n'y en a eu que 5. Alors, il n'y a pas que l'hydroxychloroquine dont l'usage est actuellement testé, étudié. François Pitrel, on va en terminer par ça. Il y a cette étude européenne Discovery qui teste plusieurs traitements potentiels. Ça rame un peu. C'est le moins que l'on puisse dire. Oui, les mauvaises langues disent que ce n'est pas Discovery. Mais Fiascovery. Aujourd'hui, le plus grand risque de catastrophe mondiale, ce n'est pas ça, mais plutôt cela. Ça s'explique en partie par le fait que nous avons investi énormément dans la dissuasion nucléaire. En fait, nous avons très peu investi dans les infrastructures sanitaires quand il faudra lutter contre une épidémie. Nous ne sommes pas prêts pour la prochaine épidémie. Investir 192 millions de dollars pour soutenir directement la création et la production de vaccins au Canada. On finance une solution à long terme contre la COVID-19 chez nous. Et Jean-François, ce que vient de dire le premier ministre, ben, ça a des incidences ici
à Québec, Medicago, là, qui va bénéficier de certaines sommes. Exact. Ça fait maintenant plus d'un mois et demi que Medicago travaille sur un vaccin. Ils ont reçu une aide provinciale de 7 millions de dollars en fin de semaine et vont s'ajouter à ça les sommes du fédéral dont les montants restent à préciser. Actuellement, leur candidat vaccin à base de plantes est à l'étape des essais précliniques. Ce à quoi vont servir les sommes, c'est d'accélérer les essais cliniques et ensuite d'augmenter la production. Parce que non seulement Medicago développe des vaccins, mais elle produit des doses. Donc, dans la région de Québec, on est capable de produire 1 million de doses de vaccins par mois dans les installations de Medicago. Si on ajoute les installations américaines, on arrive à 11 millions de doses par mois. Donc, quand on aura trouvé la bonne recette, on va être en mesure de lancer la cadence de production et de le produire à large échelle. Le vaccin est un moyen de mettre fin à la propagation de cette pandémie. Normalement, il faut 10 à 15 ans pour développer un vaccin. Pour Ebola, nous l'avons fait en 5 ans. Je sais que nous pouvons encore accélérer. Nous prévoyons qu'il faudra 12 mois pour mener à bien ce projet jusqu'au moment où nous pourrons valider le vaccin. C'est un développement en temps record. Une course pour trouver la solution est donc lancée. Dans le monde, plus de 30 entreprises et institutions universitaires tentent différentes approches pour trouver le vaccin qui permettra de faire reculer le Covid-19. En Allemagne, CureVac utilise la fameuse molécule ARN pour mettre au point ce vaccin. Objectif, être prêt pour des tests cliniques dès le mois de juin. Nous utilisons la molécule messagère ARN pour ordonner à l'organisme de produire son propre vaccin. Donc nous ne donnons que des informations à l'organisme. C'est une approche totalement nouvelle en médecine. Une nouvelle approche qui suscite la convoitise jusque de l'autre côté de l'Atlantique. Selon un journal allemand, Donald Trump pourrait tenter de racheter l'entreprise pour 1 milliard de dollars. Des révélations que CureVac dément. Nous n'avons jamais reçu d'offre de la Maison-Blanche ou de toute autre institution américaine pour acheter notre société afin de constituer des réserves importantes de vaccins pour les États-Unis. Notre objectif est de développer un vaccin pour toutes les populations du monde. Enfin, c'est aux responsables politiques du domaine de la santé de décider comment distribuer un tel vaccin. La Commission européenne, présidée par Ursula von der Leyen, a décidé d'apporter son soutien financier à CureVac sous forme de garantie de prêt à hauteur de 80 millions d'euros. Pendant que le monde entier attend un vaccin, plusieurs centaines de milliers de patients ont déjà besoin d'un traitement. Et des combinaisons de médicaments déjà existants sont proposées. Depuis 10 ans, tous les pays travaillent sur des scénarios de préparation aux épidémies. Mais là, ils sont éparpillés à tenter de trouver une solution. Auparavant, des exercices étaient régulièrement effectués pour se préparer à ces événements. Cela a cessé avec l'austérité mise en place avec la crise économique. Des coupes budgétaires ont été demandées et de l'argent a été économisé dans des secteurs jugés non essentiels. Mais les choix politiques nous ont fait prendre le chemin inverse. Et d'ailleurs, il y a des documents de la NASA qui existent, internes, donnés à la NSA, etc., à leurs amis des autres boîtes avec lesquelles ils travaillent, où il y a des tableaux où il y a marqué depuis l'origine de l'humanité. Donc il y a d'abord l'homme vit par la cueillette, ensuite par l'agriculture sédentaire, ensuite par l'industrie, et ensuite... Là, on est dans l'ère jusqu'en 2020 des nanotechnologies et biotechnologies. Et après 2025, il y a marqué virtuel. Et dans un autre document, l'humain est marqué post-humain. Voilà. Et donc, dans certains documents, ils nous appellent useless eaters, les mangeurs inutiles. Et dans d'autres documents, ils nous appellent post-humains. Voilà les générations qu'on prépare à nos enfants. Si on se bouge pas, quoi, si on fait rien, voilà ce qui va se passer. Donc d'un côté, les gens vont devenir stériles et de l'autre, ils vont fabriquer les esclaves dont ils ont besoin. C'est-à-dire, il y aura les élites. Ce que disait Brzezinski il y a 30 ans. D'un côté, 20% de la population qui va être les élites et qui vont, eux, vivre normalement à l'abri.
Et de l'autre, les 80 autres %, le pied pour eux, ce serait qu'on soit que 500 millions, c'est-à-dire que 90% dégagent. Et les autres, parce que esclaves ou pas esclaves, il faut les nourrir. Donc le mieux encore, le nec plus ultra pour eux, c'est qu'ils fabriquent juste les esclaves dont ils ont besoin et que voilà, les autres ne servent à rien. Et ces esclaves-là, la manipulation génétique va faire qu'ils vont fabriquer ce dont ils ont besoin à chaque poste dont ils ont besoin. Mais je veux dire, ces gens-là ne seront plus des humains, effectivement. Parce que quand on va rester branché sur un magnéto ou sur un ordi pendant 18 heures par jour, qu'est-ce que les gens vont avoir comme empathie? D'ailleurs, ils sont très contents, ils le disent comme ça. Ils n'auront plus de problèmes de gens qui sont amoureux et qui déconnent au travail, etc. Là, ce sera vraiment des zombies. Et voilà ce qu'on nous prépare.